Nous avons le bon élément de l'ambassadeur des États-Unis qui est parti à la rencontre des producteurs de fatigue et caféine enrôlés par le projet du département de l'agriculture américain USDA-PSM. Après un an de mise en œuvre, un bilan satisfaisant est dégagé. Son Excellence Tulinabo Mushingi a renouvelé l'engagement des États-Unis à accompagner davantage le Sénégal. Claire Diop. Rencontre d'échange et de partage entre l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal avec les bénéficiaires et partenaires du projet USDA-PSM. La promotion de la chaîne de valeur 1000 est faite. Quelques 14 000 hectares ont été emblavés dans la région. Après un an de mise en œuvre, le bilan à mi-parcours est plus que satisfaisant. Nous sommes aujourd'hui autour de 13 000, 14 000, 12 000, etc. hectares d'emblavure que sur le terrain en termes de 1000. Mais il faudrait reconnaître que nous sommes aussi dans des tests. On est en train de tester plusieurs variétés. Vous savez, les pluies sont en dents de scie, nous avons les changements climatiques qui sont à l'horizon. Et donc, il faudrait faire de sorte que les producteurs puissent récolter. Et comment faire pour que ces producteurs-là récoltent dans des situations de changement climatique? C'était ça vraiment notre priorité aujourd'hui en fait. Et là, nous avons fait 200 et quelques hectares de tests sur des nouvelles variétés, sur des variétés qui mûrissent des fois très tôt, des fois un peu tard, des fois plus long, etc. Et ça nous a valu beaucoup de satisfaction. L'objectif ici est d'accompagner les acteurs afin d'augmenter considérablement la production du mil. Et pour les producteurs à la base, cette rencontre avec l'ambassadeur est plus qu'une source de motivation. Cela nous montre qu'on a une grande importance dans la chaîne de valeur. Donc ça nous encourage quand même à aller de l'avant. L'autre chose, c'est quoi? On est des producteurs qui vit en milieu rural. Si on voit aujourd'hui des ambassadeurs se déplacer, venir voir ce qu'on est en train de faire, ça encourage le monde rural à savoir qu'ils ont de la valeur. Et cette valeur-là, ça suffit de les exploiter. Et les exploiter, c'est quoi? Ça nous pousse à retourner aux terres et à travailler les terres et savoir que le travail de terre peut nous mener à aller loin et peut faire développer le Sénégal. Je suis très 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 satisfait de ce que j'ai vu. Comme je vous ai dit, un des objectifs de mes tournées, c'est pour voir si nos programmes font une différence sur le terrain. Et il n'y a pas d'autre moyen de voir ça que de parler aux gens, aux bénéficiaires, de parler aux producteurs, de rencontrer les femmes comme nous avons fait ici, de voir déguster ce qu'ils ont fabriqué, ce qu'elles ont fabriqué et entendre leur opinion, voir si ça bénéficie à la population. 8 milliards de francs CFA injectés, plus de 19 000 producteurs bénéficiaires. Le département américain de l'agriculture, à travers le projet USDA-PSM, intervient dans 4 régions du Sénégal depuis 2014. Sa vision, renforcer et promouvoir la chaîne de valeur 1000 pour lutter contre la pauvreté. L'appel à la synergie des acteurs est lancé. Aux organisations de producteurs, fournisseurs de services et produits, unités de transformation, mais aussi aux opérateurs de marché.